Les photographies prises par Pierre Bourdieu pendant ses recherches ethnologiques et sociologiques en Algérie, au moment même de la guerre de libération, nous permettent de partager son regard sur le monde social sous un autre angle. Enfouies pendant 4 décennies dans des cartons, ces photos témoignent d'un voyage initiatique et d'une conversion biographique profonde, se trouvant à l'origine d'une trajectoire scientifique et intellectuelle exceptionnelle. Et à un moment donné, il dit, mais il faut voir les photos hein, pour mieux comprendre. Quelles photos? Alors il dit, mais je vais vous les montrer. Alors, 2 mois après, il avait fait préparer par une dame qui était au chômage, qu'il a pu payer, et il avait fait de l'ordre dans ses photos, et il me les a données. Alors, c'était à la fois, j'avais une valise que je tirais derrière moi pour retourner en Suisse, et on a dit, voilà, on va essayer de monter une exposition. Christine Frisinghelli, qui est ma collègue dans tout cela, elle vient de la photo, moi je ne m'y connais pas du tout, je suis sociologue, m'intéresse à l'ethnologie, travaillant avec Bourdieu pendant pas mal d'années. Et j'ai beaucoup appris par Christine en travaillant avec elle. L'idée de prendre des photos lors d'un travail de terrain où on aimerait capter le plus possible pour faire après le travail d'ethnologue, la description dense de toute cette culture complexe et la photo qui retient des moments magiques parfois, des situations qui parlent, dont on voudrait se souvenir. En travaillant mieux là-dessus, en ayant le temps, en produisant une approche théorique, en cherchant des concepts qui collent pour décrire ce qu'on voit, en revenant sur certaines photos 20 fois, vous allez chaque fois voir 20 choses différentes. Et donc, pour Bourdieu, c'était vraiment un instrument de travail, comme j'ai dit tout à l'heure. Si vous regardez par exemple ses travaux sur la domination masculine, et quand il décrit cette exis corporelle, la femme regarde par terre, elle est courbée, l'homme marche de façon droite, il doit faire face, il ne doit jamais baisser les yeux, et les femmes font le travail de ramassage des olives, parce que les hommes ne se penchent pas, c'est le travail des femmes. Les hommes prennent des grands bâtons, ils tapent dans les arbres, et les femmes font le reste. Ces choses-là, il est décrit dans le livre, 40 ans après l'Algérie, 35-40 ans, et il pouvait, je pense, pas faire cela de la même façon sans l'appui de la photo. Quand j'ai vu comment Bourdieu lui-même était attaché à ces photos, il m'a dit quand je les sors parfois, je pleure presque parce que je me souviens de tous les détails de cette époque qui était une époque quand même d'effervescence totale où il a vécu des choses incroyables et c'était aussi une époque dangereuse et une époque où, comme il dit, il a vécu une conversion biographique totale, il est devenu un autre. Il était anticolonialiste déclaré, c'est aussi pour cela qu'il est parti comme simple soldat et pas comme un normalien qui était déjà prédestiné à une carrière militaire, hein, comme plein d'autres. Donc, il était révolté politiquement, et il s'énervait beaucoup, et il avait, si on veut, versé cette horreur, sa façon de se révolter contre tout cela dans un projet constructif, un projet où il disait « Je veux, entre autres, réhabiliter la culture algérienne. » Il me raconte dans l'entretien, j'ai donné un cours à la faculté d'Alger sur la culture algérienne. Les gens m'ont dit « Mais t'es fou, ça n'existe pas. » Et moi, j'ai essayé de le montrer, et les photos en partie témoignent de cela. La maison Kabyle, c'est un chef-d'œuvre. C'est plein de symboles. C'est fantastique comme construction. Et Bourdieu a essayé de faire quelque chose, pas seulement de dire c'est horrible, etc., mais de produire quelque chose de durable. Et je pense que là, il a réussi. Et j'ai vu que des gens qui n'avaient pas lu Bourdieu pouvaient quand même lire les photos. Ils trouvaient dans ces photos de différentes choses, un accès à une culture qu'ils ne connaissaient pas,
un intérêt pour l'architecture. Ce qu'on va sur la maison Kabyle au Bourdieu a à la fois livré des photos, mais aussi des dessins pour décrire la structure interne de la maison avec la division sexuelle du travail, tout ça. Les gens s'intéressent à cela. Ce sont des photos que beaucoup jugent belles. Ça se discute. Bourdieu lui-même, il était très timide là-dessus. Il a toujours dit, ne me faites pas ça. Je lui ai dit, à l'époque, il faut montrer ces photos, c'est vraiment important. Il disait, ne me faites pas ça, ils vont encore dire, les gens, voilà, il se prend pour un artiste. On a voulu éviter à tout prix une esthétisation de ces images. On les a traitées comme des témoignages ethnographiques, anthropologiques, sociologiques. On les a toujours mis en dialogue avec les textes de Bourdieu, donc le livre ça va mieux que une exposition, mais même ici c'est assez bien réussi. Et donc pour nous c'était des instruments de travail. Cette exposition montre aussi déjà une œuvre visuelle, contextualisée historiquement. C'est cadré dans les années 50 en Algérie pendant la guerre, une situation très difficile, je pense, à travailler. En lisant les écrits de Bourdieu, on a commencé à revoir les images avec une connaissance plus profonde et tout de suite, par exemple, on a remarqué que ce que nous avons vu comme une image ou une série sur un village est devenue une série qui décrit les centres de regroupement. Une photo qui montre par exemple une fontaine où il y a des enfants qui viennent prendre de l'eau. C'est une photo très belle, représente que les femmes dont le travail était d'aller chercher l'eau, les femmes ne pouvaient plus quitter leur maison. C'était une question d'honneur de la famille, que la femme ne se promène pas en public, qu'elle ne rencontre pas des personnes étrangères. Alors, voir les enfants ou même les hommes à une fontaine veut dire que les femmes ont perdu leur rôle principal dans la société. Elles pouvaient plus, elles étaient obligées à rester dans la maison, enfermées dans des maisons qui n'avaient même pas des cours. Et tout ça, on voit dans les photos, mais seulement quand on connaît un peu l'histoire du déracinement, l'histoire de cette politique de restructurer le habitat des familles, des paysans. Il étudiait des objets, prenait des photos pour pouvoir les étudier plus tard à profond. Il y avait beaucoup de portraits d'enfants, comme j'avais dit. Je pense que c'est une espèce de pouvoir s'approcher de quelqu'un qui fait confiance ou qui est ouvert à se faire photographier, c'est-à-dire les enfants, bien sûr, curieux. Et lui, avec son, comme il dit, son regard attendri, il aimait beaucoup ce pays, il aimait les gens de ce pays. C'est-à-dire on voit beaucoup moins de femmes. Très peu de photos, quelques photos de famille où le père, la mère, les enfants sont face à la caméra avec leur position comme famille. Et dans cette situation, il dit la photographie pour lui c'était aussi un moyen de se mettre en contact, de dire je m'intéresse à vous, je m'intéresse à votre vie, à votre situation. Il dit que c'était une vraie conversion, la photographie lui a fait comprendre que l'observation, la réflexion, c'est quelque chose qui change aussi votre regard, quelque chose qui vous permet de regarder de façon plus profonde, plus concentrée.